Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2014/252 please raise their hand? The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 2149. Nous sommes conscients que les autorités de transition ont la lourde responsabilité de protéger la population centrafricaine. Cependant, comment pouvons-nous jouer ce rôle avec efficacité, sans forces de défense et de sécurité, même si elles sont en reconstruction? En plus, nous ne pouvons pas les équiper en armes, car sous embargo. Je réitère ici le vœu de mon gouvernement, du gouvernement centrafricain, d'alléger ces sanctions concernant l'embargo sur les armes, ceci afin de pouvoir équiper nos forces de défense et de sécurité qui seront formées, encadrées, correctement identifiées, et ce, en coopération avec la communauté internationale. Suite aux graves accusations portées contre son contingent au sein de la MISCA par le porte-parole du commissariat du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par rapport à l'incident survenu le samedi 29 mars dernier à Bangui, le Tchad a décidé de retirer son contingent de la MISCA. La résolution que nous venons d'adopter change la donne. Elle autorise le déploiement d'une véritable opération de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique. La MINUSCA comptera près de 10 000 hommes et 2 000 policiers. Leur mandat sous chapitre 7 sera en priorité la protection des civils, le rétablissement de l'ordre public, l'appui à l'accès humanitaire et la surveillance du respect des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité. Without national reconciliation, dialogue, and of course justice, we cannot have a lasting peace into the country. So justice is also embodied into the process, because impunity is what led us to the situation we know now. Now the Central African Republic needs all countries that pledged $500 million in aid in January, of which $200 million was for humanitarian action, to fulfill their promise. There are 2.5 million people, over half the country's population, who are in need of assistance, and with the rainy season approaching, the conditions these people face will only worsen. We must do more, we can do more, and we must do it now.